de notre deuxième album qui s'appelle A Party. Ravi de vous retrouver de retour sur les ondes de Radio Marseillette, c'est Didier pour la nouvelle émission Radio and Road. Vous nous écoutez sur le 101.3 et le 91.8. On a quitté la place François Mitterrand de Marseillette pour se diriger vers la commune d'Écamaz pour le festival Guitare à travers champs. Et ce soir, on va écouter et faire la rencontre et l'interview de Tom Stone. Salut les gars. Bonjour. Salut. Guillaume, salut. Martin et Alec. Ça va? Oui. Très bien. Très bien, parfait. Bon, prêt à monter sur scène? Oui. Ça vient d'où, Tom Stone? On cherchait une esthétique qui soit un peu épurée, poussiéreuse, terreuse, etc. À l'image de nos contrées des Corbières, du Minervois. On cherchait en gros une carte postale. Donc du coup, on parle souvent du premier bébé, Bad Day, donc l'album. Et j'ai entendu parler d'un deuxième opus. Oui. Alors, vrai ou pas? Oui, c'est vrai, et on se fait attendre là-dessus. Ça fait un moment qu'on l'avait annoncé, ça fait un moment qu'on y travaille dessus. Et là, on a un souci avec le deuxième album, c'est-à-dire qu'on a plus de temps de morceaux que ce qu'on peut graver sur un disque. Ça devient compliqué. Ça devient compliqué, puis c'est surtout qu'on n'arrive pas trop à couper dedans. T'es parce que c'est des morceaux de 12-15 minutes. Et puis pour te dire l'entière vérité, c'est que ça demande des moyens de faire un disque. Et je sais. Ouais, voilà. Et du coup, on tourne en ce moment, on fait beaucoup de dates pour... Voilà, pour essayer d'économiser un petit peu. Voilà, pour récolter les fonds, pour enregistrer. Exactement. Avec Magic Pierrot. Voilà. Et est-ce que Pierre... Il faut le dire, c'est oui, trop oui. cher. Et est-ce qu'il a un studio, ce Pierre, ou vous en avez un à vous? Ah oui, en fait, on a un studio associatif. On a monté une association, donc on a récolté 4 sous à droite à gauche pour s'acheter du matériel pour s'autoproduire et puis autoproduire des copains. Donc ce matériel, il est à notre local de répète, il est à disposition des groupes. Et voilà, on essaye de le faire fructifier, en tout cas de le faire profiter à tout le monde. Très bien. Et il est où ce studio? Ça, c'est secret, ça. C'est vrai. Pas le savoir, ça. C'est la caverne secrète, la caverne d'Alibaba. Non, c'est à Ville-Gagnac. Ville-Gagnac. Groupe monté, créé en 2009, et j'ai vu 50 dates en France. Ça fait en 2 ans à peu près une date tous les 15 jours, et ça permet de vite évoluer, du coup, la scène. Oui, ça permet d'évoluer, c'est un aspect du métier que moi je connaissais pas bien. Mm-hmm. Venant d'un groupe où on faisait pas du tout de bar ni de tout ça, on faisait surtout du festival, des salles de concert. Mais en fait, le bar, c'est un métier à part entière. Et les 50 dates... Tu dis ça pour Pierre, c'est ça? C'est oui. ça. C'est un métier, il est professionnel depuis très longtemps. Et en fait, beaucoup des dates qu'on a faites sur les 50 dont tu parles, c'était du bar, en fait. Ça a été notamment pour pouvoir avoir des moyens de continuer à tourner, donc s'acheter une sono, pour avoir les moyens aussi d'enregistrer Bad Day. Donc on a essayé de rentrer dans un cadre un peu plus professionnel à ce niveau-là. Et donc...
D'où les 50 dates. Alors on a eu énormément de chance parce que ben, le style dans lequel on joue, les opportunités aussi ont fait qu'on n'a pas eu trop de mal à trouver 50 dates parce que c'est surtout ça le fond du problème. Tout à fait. Pour nos potes, etc. C'est surtout le... Nous, il faut tirer l'épingle du jeu en fait, parce que c'est vrai qu'au niveau style musical, il n'y en a pas beaucoup dans le 11, tu vois. Puis il faut dire autre chose aussi, c'est qu'avec Tom Stone, donc on a toute une partie de compos originales, qui sont les nôtres, mais il y a toute une partie aussi de reprises. On reprend du Otis Redding, du Jimi Hendrix, des choses comme ça. Et donc c'est ce qui nous permet aussi de faire beaucoup de bars, parce que dans les bars, si tu y vas qu'avec des compos, souvent tu peux faire un chou blanc. Il faut quand même raccrocher. Forcément, voilà, à un moment donné. Et c'est. Et notamment, on a beaucoup de collègues qui triment à cause de ça, parce qu'ils n'ont que des compos. Et alors que c'est une qualité à la base, c'est ce qu'on recherche chez un groupe, etc. Ils en sont un peu pénalisés. Et donc ça, on va dire que c'est pas bien. On remercie, j'en profite d'ailleurs. Oui, tu peux dire merci, on n'a pas fini, mais tu peux dire merci. Je remercie Radio Marseillette. Non, mais vraiment, ah oui. Pour le soutien, pour les passages radio. Oui, clair. Souvent, quand on a des concerts, eh bien... L'info est relayée, ouais, etc. Ouais. Et ça fait vraiment plaisir d'avoir du soutien. Comme je dis souvent, c'est une métaphore à deux balles, mais... Quand t'es musicien comme ça, tu pars avec un capital confiance et qui s'amenuise au fur et à mesure que tu fais des concerts, au fur et à mesure des galères aussi, etc. Et des gens comme vous, comme Radio Marseillette, ben ça nous remet un peu de capital dans notre compte de confiance et c'est très bien. Ben merci à vous, mais en tout cas, ça donne du bon au cœur aussi pour cette émission. Radio and Road, donc on va se déplacer, on veut promouvoir les artistes et les festoches aussi, les fêtes locales ou toute autre activité artistique. Donc c'est très gentil, mais je vais revenir. Parce qu'on vous êtes créé en 2009 et on s'était vu en 2011 parce que j'étais déjà sur les ondes de la radio et j'avais entendu parler que vous deviez être élu groupe au doigt de l'année en 2011. Est-ce que ça a été fait ou pas? Parce que je ne sais pas. Oui. Alec. Oui, quelque part. Oui. Suite à un concours qui s'appelle Vice Versa, il fallait présenter un album. On a présenté notre album. Il y avait, je pense, une vingtaine de candidats ou un truc comme ça, il me semble. Et puis, du coup, voilà, on a été choisi comme le meilleur groupe de l'Aude, d'après leur calcul à eux. Hein, mais bon, non, mais on pense pas qu'on est, on pense pas qu'on est les meilleurs. On est tout simplement un groupe. Mais non, mais c'est difficile de raccrocher musique et compète. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Voilà. Et ouais, parce qu'il y a beaucoup de potes en face. Hein. Mmh. Importante qui vous a marqué? Alors ça a été marquant surtout en termes de... Ben, y a eu du monde, il y a eu pas mal de monde, il y a eu des moyens techniques, donc on avait un son pas mauvais, et il y a eu une super couverture médiatique ensuite. Ça a été la première partie de De Palmas qu'on avait fait au Festival Off de la Cité. Ouh, quelle année. Donc c'était il y a deux ans, 2011 2018 à Vice Versa. C'était un des plateaux de Vice Versa. Alors voilà. Selon les manifestants, je pense qu'il y avait 2000 personnes. Selon la police, 8000. Mais ça rigole pas. Et les syndicats, 15 000. La mairie avait annoncé 8000. Je pense qu'il y en avait un peu moins quand même. Et mais c'est ce qu'ils avaient annoncé. Alors, en tout cas, c'était bien parce qu'on s'est régalé. Ouais, on a fait une super scène. Ouais. On s'est vraiment éclaté. C'était aux petits oignons, quoi, vraiment. L'équipe à De Palmas, c'était très gentil, etc. Par contre, on s'est fait descendre derrière. Par qui? Alors... La presse? Oui, par la presse. Ouais. Ça a été pas mal parce qu'en fait, il y a eu un super truc, si tu veux. On a le look qu'on a, mais on fait du rock et puis on est assez influencé, comme tu disais aussi, par le grunge, etc. Voilà. Donc on a le look qu'on a. Effectivement, il y avait des photos de notre spectacle avec les têtes qu'on fait aussi sur scène, qui sont des fois, ben, on ne maîtrise pas toujours. Et il y avait De Palmas avec les photos, ben, il a un peu plus de métier, donc très souriant, etc. Mmh.
Et c'était énorme parce que ça a titré le lendemain dans les journaux. Il y avait ma photo en faisant une tête pas possible avec deux palmas qui souriaient. C'était titré Cambouis et Candide. Et, et c'était, non, mais après, c'était un super coup de promo pour nous parce que. Oui, c'était bien vu. Oui, oui, en même temps, ouais, vous faites pas du classique. Quand tu passes trois jours d'affilée dans les journaux, c'est bien. Oui, c'était très bien. Ça donne envie aux gens aussi parce qu'il y a l'effet inverse. Une grosse critique donne envie d'aller voir ce qu'il y a derrière. Mais du coup, c'était super marquant et parce qu'en plus, on nous reprochait, on nous disait qu'on avait pas envie d'être là, qu'en gros on était blasé parce qu'on aurait préféré faire la première partie de Lucky Peterson plutôt que celle de Palmas. En l'occurrence, on était super content de la faire cette date, ouais. Et c'était une super date, quoi. Bon, très bien. Et question pour finir, est-ce qu'il y a une scène, dernière question, que vraiment un jour, c'est un rêve de tout musicien que vous aimeriez faire, je parle du Glastonbury Festival à Londres ou du Festival de la Cité bien chez nous ou un autre festival aux États-Unis qu'on ne connaît pas. Saint-André. Voilà. Aussi Saint-André, c'est pas mal. Les Kamaz. Les Kamaz, c'est tout dans quelques minutes. Katmandou. Ouais. Il y a une grosse scène rock, tout ce qui est rock, metal et tout ça, le genre de musique qu'on joue nous, ça marche grave là-bas. Après moi, voilà. Mais vas-y, vas-y. Si tu vas-y, parles Martin. De ça, le mythique, si un jour par bonheur... Le bikini. On peut faire... Bon, ça, ah oui, déjà, pas, bien sûr, bon, évidemment. Déjà, bien sûr, évidemment. Ah, ce franchement, génial. C'est une... des pires salles en France, enfin pire dans le bon sens, bien c'est sûr, une ouais. des meilleures salles en France. Ouais. Ah, oui, ouais. C'est une des meilleures salles en France et on serait super content ouais. de la faire. Après, pour être hyper ambitieux et se la péter à mort, si un jour on pouvait faire le Marquis, genre à Londres ou un truc comme ça serait génial, marcher dans les traces, tu vois, de Clapton, Hendrix, ce genre de truc, on en est loin, ouf, oui. Mais ça serait énorme de pouvoir faire ça. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Bonne continuation, merci Guillaume. Ouais. Merci à Radio Marseillette. Merci beaucoup Didier, merci à Radio Marseillette. Ouais. Merci à LTV aussi, merci à tout bien le monde. Bien sûr, à LTV qui a encadré tout ça au niveau vidéo, visuel. Pierre, à bientôt. Et toutes les infos du groupe Tombstone, vous pouvez les retrouver sur leur site. Vous me dites aussi, je ouais. crois que ça regroupe un peu tout, autant le, oui. tweet que, le Twitter que le Facebook. Mm-hmm. Tombstoneprod.com. Exactement. Exactement. Bonne scène les garçons. Merci. Et à très bientôt sur les ondes de Radio Marseillette. Merci. Ciao, ciao. Yeah. Ciao. Ciao.